formule magique pour faire naître la mélodie. Car à l'école Marguerite Perret, ses élèves sont aussi un peu magiciens. En seulement 9 mois, ils ont appris à jouer d'un instrument de musique. Ils font partie du projet Demos, un projet mené par le Conservatoire de Strasbourg pour créer un orchestre de jeunes musiciens. Ici, on leur a confié les instruments à cordes. Il n'y avait que 3 instruments, les violons, violoncelle, alto. Moi, j'aime mieux jouer du violon que de l'alto. Du coup, j'ai reçu du violon. Depuis plusieurs mois, ils s'entraînent pour leur premier spectacle. Bientôt, ils vont jouer avec une centaine d'élèves à la Philharmonie de Strasbourg, un jeune orchestre pour une salle de concert prestigieuse. Alors, pour éviter les fausses notes, il faut apprendre à s'écouter et beaucoup travailler. Mon chef d'orchestre, et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous repère et qu'il nous dirige. Des fois, tu dois toujours recommencer parce que tu arrives pas. C'est ça qui est le plus difficile. Difficile car ils doivent aussi maîtriser un autre instrument, leur voix. Le clou du spectacle, c'est cette chanson, Yukali. Yukali, ça parle de quelqu'un qui est dans une barque et qui navigue jusqu'à une île. C'est presque au bout du monde. Bravo, pas plus fort. C'est l'île de tous nos désirs. Du coup, par exemple, tous nos soucis, on les quitte et on s'amuse sur cette île. Dans 2 ans, à la fin du projet Demos, si les élèves s'engagent à continuer la musique, ils pourront garder leur instrument pour pouvoir continuer à s'évader au gré des notes. Vous pouvez vous asseoir, super, bravo. Oui, vous pouvez poser l'instrument.